Bella. Hello, everyone. How are you? Fine, thank you. Woo! Salut à toutes, salut à tous. Encore une journée de streaming, mais c'est pas possible. Mais quand est-ce que ce mec va s'arrêter? Jamais. Eh ben oui, bah Metal Gear, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? J'ai regardé, j'ai 45 heures là en si peu de temps. Quand est-ce que j'ai recommencé le jeu là? J'ai commencé le jeu lundi? Je sais plus. Ah bah je kiffe le jeu. Et là on est parti pour le chapitre 2 de MGS5 Phantom Pain. Phantom Pain! C'est vrai, salut à tous. J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça va. Je suis addict. Fin de chapitre 1. Chichimolo, hein. J'aime pas la fin du chapitre pour certains trucs. Et j'aime pas. En fait, j'aime pas du tout. En fait, je sais à quel point il aime intégrer le cinéma dans le jeu vidéo. Mais il y a des trucs, je sais pas, ça marche pas quoi. Notamment le truc de to be continued, etc. En mode genre comme s'il y avait 1000 ans entre chaque jeu. Je sais pas, il y a une... Our pain is still right with us. We need more strength. Mais non, mais parce que c'est abusé dans celui-ci, Signorok, ça a aucun sens. Dans celui-ci, entre deux missions. Non, mais parce que j'aime l'aspect cinématographique. J'aime juste pas dans celui-ci, genre tu finis une mission, t'as les crédits qui arrivent, etc. T'as genre, s'il te plaît. Je comprends pas, il y a des trucs, tu dis ça a rien à foutre là. Bon. Mais non, mais c'est pas l'aspect série qui me dérange comme. Enfin, genre, c'est l'aspect d'emprunter certains codes des séries télévisuelles que j'aime pas. Parce que moi ça me dérange pas quand c'est présenté, mais quand t'as des crédits, le fait de faire des to be continued, à suivre, etc. C'est pas la peine, ça ne sert à rien, ça sert dans un cadre où tu crées de l'attente, mais j'enchaîne deux missions, pourquoi est-ce que tu fais un à suivre? Ça a pas de sens. Je chipote, hein, mais je comprends pas. Alors, un peu de gestion de base. Bon, ça c'est de la base. Ça c'est pas une base de salope. Salut à tous, c'est Tendis, c'est Bria. Non, mais c'est ce qu'il disait. Sacré coco. Hein, mais c'est terrible que Kojima soit plus là à partir du chapitre là. Bonus du jour. You can now give the order to develop or dispose of nuclear weapons from your iDroid. With a nuclear deterrent, even if you're discovered while infiltrating a rival. Les armes nucléaires? Mais je suis complètement anti nucléaire moi. Enfin, anti-armes nucléaires. Voilà, vache, j'ai tellement de trucs là. Le nucléaire en lui-même, ça me pose pas de problème, mais les armes nucléaires, alors là, non. Oula. Attendez, vous savez quoi? Je vais aller faire de la chasse un peu. Je vais aller récupérer. Bon, ça, je m'en fous, j'ai quasiment tout fait. Je vais aller récupérer l'Ibis légendaire. Eh ouais. Tu es mon...
Où est-ce qu'elle est ma classe avec Voilà. Ah oui, j'ai un nouveau sniper bientôt là. Un bon gros sniper bientôt là qui va pouvoir exploser les têtes. Je crois que je lui ai acheté des... Ah non, je sais pas. Ah, mais je crois que c'est parce que... C'est parce que j'avais pas fait tous les... J'avais oublié de... Je sais... Attends, qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié de... Ah oui, non, c'est hier, quand j'ai quitté, j'ai juste quitté. J'ai pas laissé tous les trucs se faire. On va voir Loïc. Mais en fait, le lit, c'est parce que... En gros, elle a une... Elle a été modifiée, ce qui fait que... Elle respire par sa peau. Ah oui, Coco il a tout pensé. Coco il a bien pensé à tout. Et pourtant coq guerrier. Je deliver. Je deliver. Dès 10h. Allez, on va la voir ce... On va prendre les night vision goggles comme on dit. Des ânes. Ah moi c'est réveil, non mais en ce moment je dors terriblement mal, c'est une catastrophe. Je m'en fous durant SMP, j'ai rien à branler, rien à branler. Ah ok. Mais je pense que je vais faire ça, ouais. Rail de coke avant de me coucher, ça va peut-être m'aider. Je vais commencer par faire des missions de terrain pour embuscade de convoi, etc. Pour m'assurer des déploiements plus tranquilles quand je vais arriver en Afghan. Enfin, en Afghanistan. Donc là, on est dans la zone, il faut qu'on trouve le Ibis légendaire. Et si c'est Lénine, c'était la blague. Ah. Ah. À méditer quand même, franchement. Il y a moyen de d'y penser et de se dire... Mais je repense à hier, la mission avec les Skull Girls, j'ai trop aimé. Hein. C'est peut-être la meilleure mission que j'ai faite de tout le jeu. À quoi il ressemble l'ibis légendaire? C'est ça la question que je me pose moi. Salut Glolu. Tu es ma meilleure amie. Ça m'énerve parce que cette musique je l'aime pas plus que ça du tout. Genre je la trouve... Enfin je l'aime pas plus que ça quoi. Je l'écouterai jamais mais elle est dans ma tête et ça me saoule. Ah c'est un oiseau l'ibis. Ah bah ça m'aide bien parce que l'ibis je pensais que c'était un... Très sérieusement j'ai cru que l'ibis c'était un... Sa couleur rappelle l'ancien dieu égyptien Thoth. Après effectivement j'en en parlais hier soir mais je comprends Pota aussi il disait je comprends qu'elle soit appréciée par les gens facilement mais je la trouve pas... Je pense que surtout pour un public américain ou
J'ai plus de batterie dans mes lunettes. Ah d'accord, okay. Ah il y a des batteries dans les lunettes. Ok, ils ont laissé ça aussi dans le jeu. Est-ce qu'il a un bruit particulier l'ibis? Cacao, cacao. Ouh, ça va être plus dur à trouver que le que l'ours légendaire ça. Salut les talonneries. En plus la zone elle est bien grande. Je vais me diriger vers le milieu du truc. Rouge pétant, un nom d'une pipe. Non mais c'est tellement... sans déconner. Parce que je sais que MGS 3 Delta va ressembler à ça dans des zones. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de MGS... Enfin j'ai trop hâte de MGS 3 Delta genre. Le jeu, on aura ces environnements là, cette qualité d'environnement là. Avec l'histoire de MGS 3, je suis désolé, mais avec le gameplay de MGS 5 sur MGS 3 Delta, mais je... Mais c'est du lustrage de queue, genre c'est abusé, je vais trop bander. Le 3, c'est celui que j'ai fait avant, personnellement. Parce que j'ai pas encore fait le 4, mais MGS Delta, 3 Delta, j'ai trop hâte, genre. Pause déj, déjà. Ouais, c'est celui qui se passe avant dans la timeline, effectivement. Mais je jure, j'ai trop hâte. Le jeu va être magnifique. Tellement agréable à jouer. Je pense que ça va être 2025, à mon avis, Trindis, parce qu'il y a déjà eu des vidéos de gameplay. C'est maillot du Japon, Winry. Je connais pas un seul joueur de l'équipe japonaise. Le 3, c'est Kojima complet, ouais. Mais en fait, le 3, c'est juste un remake, Loïc. C'est pas. Pas un remaster ni quoi que ce soit. C'est. Ça va vraiment être gameplay update et. Merde. Hop, do not. Alors il est où l'animal? Bah après comme disait Hugo, ce serait bien qu'on ait un nouveau truc pour DS2 là. En plus ce serait trop bien que, parce que je vais faire DS1 bientôt, mais avoir des news sur DS2 là au Game Awards, parce que bon, les Game Awards cette année ça va pas être folichon, je pense. Vu les nominés. Mais tu te caches où, Coco? Il est où l'ibis? Ah. Ah, je vois pas d'ibis hein. Il fait un bruit particulier l'animal. Ah, j'aurais peut-être dû déployer. Je vais peut-être déployer 10 dogs. Je vais déployer 10 dogs plutôt. 10 dogs, il va repérer plus facilement. Les nommer, je m'en branle. Attends, comment il arrive D-Dog là? Il arrive par Mais va te faire enculer, va. Ah, va te faire enculer.
Allez, D-Dog, on va trouver ce Tibis légendaire. Un MGS6, c'est pas possible. Après, il y avait pas un bail comme quoi Kojima avait racheté la licence Metal Gear Solid ou un truc. J'avais cru en... Je sais plus pourquoi je crois ça. Ça rigolait-elle. Tu es ma meilleure amie. Ah là 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 là. Bah on va remonter hein. Ah là pour ceux qui se demandent, on cherche un Ibis légendaire. Konami peuvent très bien continuer la licence, mais pas sûr que ce soit bien reçu. Bah déjà je pense qu'effectivement, personnellement, j'adore MGS5, mais il y a vraiment des aspects du jeu qui sont pas fous. Surtout autour du scénar et des tout ce qui faisait que j'adorais MGS, notamment autour des cinématiques et de la mise en scène. Dans ce jeu, c'est là qu'elles sont les moins maîtrisées pour certains moments, quoi. J'ai rarement vu. Bon chien, bon chien. Good dog. Oui, oui, non, mais de toute façon, Ragnar, c'est l'objectif de... C'est l'objectif de Coco, là. Il va faire sa nouvelle licence de jeu. Putain, ouais, j'avoue, Grim, quand il me dit c'est bien, Jean, je vais pas te faire enculer, ce fils de petit... Prend pour qui, ce mec? Je sais même pas, château. Quoi? Pourquoi ça me met... Pourquoi il y a une cinématique genre en mode j'ai fait un truc de fou? Un Djihouti? Conditions de développement, hein? Boss, come on back to base. Qu'est-ce qui se passe? Non mais bah, MGS4, je vais probablement adorer, mais c'est vrai que dans celui-ci, le MGS5, j'ai été un peu déçu de certaines... Eli! Qu'est-ce qui se passe, Eli? Est-ce qu'il me déteste encore, lui, ou il va commencer à... Eh, hey, grandis, Eli! Ah, moi c'est le 3, Speechy. En fait, je pense que MGS3, c'est mon préféré. MGS2, c'est le chef-d'œuvre de la licence. Très honnêtement, c'est impossible... Enfin, un gamin qui a été écrasé. Ha ha ha.
about the pathogen spreading through Mother Base? You've seen everything we've got on the outbreak. What's your opinion? Eh, hey, mais n'empêche, regardez, c'est terminé. Il y a plus les trucs en construction aussi. Infestation. Welcome back. And judging from this casualty list, it is the Kikongo strain. Je me sens, on l'a entendu. The breed of parasite that triggers symptoms upon detecting pronunciation specific to Kikongo. Kikongo. So Kikongo speaking staff are at risk. Quite so. He's right. All the victims do speak Kikongo. So they can survive if they just use another language. There is no guarantee. You're only dealing with the Kikongo strain. Other language strains may be present. You well know he was teaching them languages from all. Par contre, ça c'était une folie, hein, l'ethnic cleansing par la langue, par la prononciation, je trouve que c'est un concept absolument fou. Mais could make for a nice shortcut. So how do we keep them from becoming symptomatic? You mentioned using. Je trouve que c'est un truc de fou, mais sachant à quel point aujourd'hui il y a vraiment des gros tarés mentaux dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça me choquerait même pas que des gens turning male to female and preventing copulation. You must cultivate more. Que ce soit possible, genre, que quelqu'un y pense. Cremated to stop the spread of infection. But we did keep a few for study. Good. Laisse Loki. Grind it to a pulp and introduce it to the larvae now nesting in the dead. The Wolbachia will multiply rapidly within those larvae. Ah, mais si, on commence à vraiment les remarquer, ouais, effectivement, les armes sur le. Putain, mais hey. Oh, je vais aller voir comment il avance notre tank là. Oh, mais attends, mais j'ai pas été voir le Metal Gear depuis un. J'ai pas été voir le Metal Gear, je crois qu'il est sur ma base là en plus. Mais c'était le. Ils l'ont expliqué dans la cinématique, mais je trouve que, en fait, le problème de la cinématique du monologue de Skullface, c'est qu'il est assez assommant, Loki, malheureusement. Non pas que je l'ai pas. J'ai trouvé ça mauvais, au contraire. Juste, c'était assez assommant la façon de nous gonfler d'informations et. Très particulier. How is the disease transmitted? If it's carried by insects or rodents, then there is no intermediate host. So the vocal cord parasites lay their eggs in the larynx of the host. Most hatch and migrate to the lungs. Mais faut que j'aille le voir. But some are transported to the mouth through ciliary movement. Il est où? Je suppose qu'il est au niveau de la. Oh, il y a une plateforme de quarantaine. Droplet transmission. Sneezing, coughing. Any food or water containing infected soil. C'est laquelle la base là-bas là? It would spread fast. Indeed. Plateforme R&D, logique. Migrate to the lungs. Symptoms can resemble. C'est Laurent. Ça va et toi? Making it easy to infect others. Meaning a simple conversation would be enough to pass it on. All right, so. What happens after the larvae migrate? Mais c'est pas lâché. Ah bah comment ça, nickel ton PC. Moi si mon PC m'a lâché, j'irai pas nickel Lolo. It is as I said before. They mature. Respect. Feeding on alveolar tissue. Attends, il faut que j'aille voir le. Point, it's too late. He's infected everyone else. It's one hell of a weapon you've created. That is what Blug Anna wanted. Something that would spread easily. In truth, he's not the reason. Quoi? Tu veux? We will discuss that. Je rigole naturellement. Another time. Non mais c'est c'est assez dingue, ouais, le contexte dans lequel le truc est créé.
Mais il y a toujours des notions de reset le monde à zéro, mais je trouve que c'est l'idée de bien commun, pour moi, après, moi dans un sens, je vais pas vous mentir, petite météorite sur la planète Terre, je dis pas non. Un petit reset. Donc en un sens, il y a des thématiques avec lesquelles je suis pas forcément pas d'accord. Mais bon, là c'est un truc c'est terriblement violent quoi, comment il compte le faire. Mais comment j'entre là dans le truc? Je trouve plus la porte d'entrée. C'est Max Nuke. Ah bah oui, mais imagine une météorite sur les États-Unis, Darky. Là, comment on rentre là-dedans déjà? Ah mais non, je crois que c'est en dessous, je suis bête. Sans déconner. Moi, tu me dis une météorite, je meurs? Ah ouais. Est-ce que c'est si grave que ça? C'est une météorite quand même. Mort par météorite. Plus stylé sur un épitaphe que mort de vieillesse. Ah ben bien sûr, non mais évidemment, Luki, on sait très bien, mais là, en fait, les gens imaginent la paix par l'éradication de la guerre, alors que, bon, c'est toujours... Putain, le pauvre D-Walker, je l'ai pas utilisé une seule fois du jeu. Oh! Ah bah il est Reaper Post comme on dit en anglais. Il a trouvé un nouveau but. Ah bah bien sûr. Non mais bien sûr Luki. Mais de toute façon ça comment dire induit bien à quel point c'est compliqué quand même. C'est pas... Ça fait avérer. On parle d'un truc qui si c'est... Mais, non mais on est d'accord, Brian. Mais après, moi c'est ce que je trouve aussi intéressant, hein, c'est que de A à Z, le jeu n'est jamais ni noir ni blanc. Hein. Parce que tu regardes, moi c'est dans MGS2 où je me dis, bon, quand Solidus, il parle de vouloir, comment dire, mettre fin au projet des philosophes, est-ce que je suis vraiment pas d'accord avec lui? Est-ce qu'il a vraiment tort sur tout? C'est Eh oui. Bah oui, mais là c'est ça aussi dans la dans l'idée de contrôle et de servilité quoi. OK, maintenant on va voir le Metal Gear. Je vais voir le Metal Gear, je vais voir le Metal Gear, je vais voir le Metal Gear, je vais voir le Metal Gear. En plus Ragnar. Bah Big Boss c'est moi. Big Boss c'est moi. It's me, I'm Big Boss. Bon chien. Ça va? Welcome home, boss. En l'occurrence. Putain, je suis tellement le Big Boss. Mais par contre, je vais pas vous mentir, ouais, je suis complètement accro à la licence. Hein. 98% du contenu que je consomme sur internet, c'est uniquement MGS. C'est... Non, parce que je sélectionne le contenu que je regarde. Genre, je regarde pas du contenu d'MGS au-dessus de 5. Ouais, je regarde pas mal de trucs sur MGS2. Bon, y a pas beaucoup de vidéos qui diguent vraiment ce que est. Je vais pas te mentir, Luki. Y a beaucoup de vidéos, c'est vraiment en surface hein, autour de MGS2. C'est pas évident de trouver des vidéos vraiment très intéressantes sur MGS2, si je peux me permettre. Hein.
J'ai bien aimé celle de Padawan. Et enfin Padawan. Le comment il s'appelle là, de Joachim, le comment il analyse le truc de façon plus politique, sociétale, etc. Mais non, je l'ai fait dans l'ordre de sortie des jeux, Bello. Voilà, grosse conférence de Joachim, vraiment bien. Parce que sinon, le reste, bon. En général, c'est très en surface. Ah, mais t'as tellement raison. C'est normal de bander sur le jeu. Ouais, mais il y en a plusieurs. Là, faudra que je regarde un documentaire. Là, dites-vous, je regarde. Je regarde tout ce que je peux sur MGS. C'est même pas. Non mais ça j'imagine, Luki, notamment énormément à digue autour du fait que c'est pas un jeu qui est profondément personnel ni même intimement lié de A à Z à Kojima, donc rien que ça c'est super intéressant et à comment dire à étudier comme sujet. Oh là là. Oh là là. Non mais il est beau quand même hein. Ouais, il est. Wouah, le skull! Ah. Mais il avait pas le skull de base! C'est nous qui avons mis un skull dessus? Je suis pas fou. Bah, j'ai tweeté ça et je me suis enculé une vidéo d'une heure de MGS encore. Hein. Figurines, non, parce que j'aime pas les figurines, je trouve que c'est cher et la plupart du temps, je trouve pas ça très beau. Mais en. Si y a un gunplay. Oh putain! Peut-être mon design préféré après celui de. Enfin après le Metal Gear Rex. Oh! On dirait le bail à la Armored Core. Oh! D-Dog! Attention quand même! Non, moi j'aime pas les figurines. Par exemple, j'achèterais pas des trucs Prime ou etc. comme Hugo et Terra peuvent en acheter. Non pas que je trouve ça naze. Hein. Bon, un petit peu. La plupart du temps, je trouve pas ça très joli. Non, mais tu vois ce que je veux dire dans les trucs pas deep. Ça m'intéresse quand même, mais... La déception que j'ai ressentie quand on m'a dit « Ouais, la vidéo de Esquive la boule de feu, elle est bien », que j'ai lancé la vidéo et que j'ai rien appris dans la vidéo, je me suis dit « Bon ». Oh là là. Non mais est-ce que j'ai compris que juste lui il s'intéressait que au gameplay et pas tant concrètement au jeu quoi. Non mais alors que MGS c'est tellement fascinant. Des problèmes avec Ah j'ai pas eu de problème moi Tristan. J'en suis bien navré pour toi. Là, je vais débloquer ça pour mon équipe, enfin ma base. Sniper, encore un peu de développement. Ah, Killer Beast, c'est intéressant. Je crois que je pouvais améliorer encore mes Fultan là. Voilà ça. Si t'as Twitch no sub, Tristan, ça fait bugger Twitch en ce moment. Petit coup de holy. Dabaragi arabi balia. Encore. Apollo steel pipes gave way and crushed one of the. Ah non. The boy named Ralph. They tell me he died. Ah, c'est con. I'm sorry, boss. It's my fault. I
J'en suis où là actuellement, Oracle? Je vais entamer. Ah d'accord, donc là à partir de là. Renfort, ouais, donc là à partir de là, 33-34, c'est des missions secondaires pas obligatoires. Et si on allait faire j'ai envie de faire une petite mission secondaire tranquille là. Je crois que j'ai fait toutes les missions par contre secondaires en Afghanistan. Le reste ça va être des missions chiantes, genre là c'est vraiment juste des missions à faire pour gagner des sous. Bon bah dans ce cas là on y va hein. Parce que là je vois que j'ai plus de missions intéressantes. Allez hop. Lama Hate Place. Allez hop, on y va. Une petite mission en stealth là. Ouais. Je vais prendre Quiet avec moi. En fait le truc c'est que j'aime bien hein, désolé mais le G-Walker j'en ai rien à foutre hein. Mais j'ai pas acheté des tenues pour elle. Bon c'est pas tant le nom de l'uniforme qui m'a fait tiquer là, c'est... Bref. Je fais tout... Ça fait feu quoi. Bon, je vais prendre celle-là parce que je l'ai niveau 4 maintenant. Arme secondaire, j'ai un. Je crois que j'ai 4 mon pistolet. Putain, j'ai pas encore amélioré mon bras étourdissant. Dommage. Ok. Elle peut porter la tenue de The Boss, Quiet? Ah si c'est le cas, je vais lui apprendre hein, parce que... Je garde toujours un lance-roquette avec moi, mais là je pense que je vais pas en avoir besoin. Je vais prendre un... Ouais, je vais prendre mon Renov. Ouh, attendez, c'est moi ou elle est un peu plus. Oh, ça y est, j'ai la tenue parasite. Teestro! Wow, incroyable. J'ai ça et à côté, t'as ça. Celle-là il est pas moche. Mais cependant je pense que je vais vraiment aller jouer la tenue parasite hein. Elle est incroyable wesh. Je vais tester. Ah il a trop de flow ce fils de pute. Ah désolé mais des fois quand je suis tellement heureux ça me donne envie d'insulter, de dire des saloperies. Sublime. Ah sublime. Magnifique. Tu know too much Venom Leopard. Faudrait peut-être que j'essaie de faire des missions où il y a des skulls pour récupérer les... Pour les récupérer. Ah mission d'extraction, ok.
The man headed back to OKB Zero after the Soviets recaptured it. Check the target's VI on your iDroid. Ah, j'adore la map en Afghanistan. Je suis désolé, mais je trouve que j'ai beau aimer beaucoup celle de... Il y a des zones que je surkiffe en Afrique, mais la map afghane, c'est... incroyable et magnifique. J'adore. Franchement, j'adore. Tellement mal à l'aise, tu parles de quoi, Proxy? Allez, on se remet dans le juice. On va écouter une petite cassette en même temps parce qu'il y a des trucs que j'ai pas écoutés. Ah oui, d'accord. Groups of organisms that survive this fight. So, because of living in such environments. I've heard about them. Extremo something. Extremophiles. Magnifique cette map. By selecting certain species, then subculturing and repeatedly modifying. Horrible la pauvre. I created a metallic offspring of pure archaea. They subsist on metals rather than organic matter. D'accord. And some of them even consume uranium. Yes. Uranium enrichment archaea metabolize only uranium-235. Sacré Kojima. Produce weapons grade enriched uranium. How is that possible? Consider how plants fractionate carbon isotopes when they conduct photosynthesis. Putain, mais le flow de la tenue, c'est abusé. So it was archaea that brought down your chopper. Corrosive archaea. Okay. Yes. They oxidize metals, feeding off. Il semblerait, Antoine, mais pour les débloquer, il faut que j'abatte des skulls. We had the R&D team retrieve samples for study in airtight plastic containers, of course. Prudent. We shall extract archaea from it in good time. Par contre, il a l'air beaucoup plus skinny dans cette tenue, genre. Elle est plus collée à la peau. Any chance we could start now? It doesn't have to be a lot. Skinny Snake ou Gishar Snake? If it's only a small amount you question. Need. That's fine. I'll get the R&D team to assist. Let's go. South Africa was previously suspected. Yeah. Ok, ça c'est reco. J'ai pas écouté Ragnar. Non mais je trouve que franchement, en fait ce qui est intéressant c'est que le monde est... C'est intéressant comment elle est faite la map. C'est pas si interactif que ça, juste il y a beaucoup de choses dessus. Mais en même temps, le jeu n'induit pas du tout le fait que la map doive être interactive. On s'attend pas du tout à ce qu'elle le soit, quoi. Et du coup, c'est assez bien foutu, je trouve. Ouais, c'est vraiment un excellent jeu. Eh, c'est difficile de pas aimer le jeu. En fait, le truc sur lequel il est moins efficace, c'est vraiment sur les choses qui faisaient que MGS était super efficace dans les précédentes... Oh. Ah. Il y a un prisonnier là-bas, je vais aller le chercher. Désolé. Prisonnier, je m'en occupe. Ok, lampe tactique. Arcane, j'ai pas terminé encore, mais j'ai... La saison 2 ne m'a pas encore convaincu. En fait, le truc, c'est que j'ai regardé épisode 7, 8. 7, c'était cool. 8, j'ai un peu décroché. Et j'ai pas vu le 9 encore.
Bah c'est parce qu'il y a la grosse guerre mais la scène de la prison elle était cool ouais. Non mais il y a une grosse bataille du coup forcément t'es là genre waouh trop cool mais... Puis c'est vrai que les enjeux ils sont expédiés à une vitesse ridicule. T'as des personnages, je veux dire le fait que tout le monde devienne pote, enfin pote genre en mode allez on met tous de côté nos différences pour affronter un ennemi. C'est tellement pas aussi... Parce que concrètement Zone n'est même pas mis en danger physiquement genre à ce moment là genre... Genre je sais pas, t'as des trucs où... Ah bah non. C'est que Zone vienne les aider alors que Zone n'a rien à y gagner. Tu dis il y a des trucs ça fait c'est un peu quand même le monde il est beau le monde il est gentil dans certains aspects. Hein. Ils ont cut des trucs c'est ridicule. Menace existentielle pourquoi? Mais le truc c'est que moi ce que j'aimais bien, j'aime bien quand c'est concret hein, pour être tout à fait honnête, et je trouve que dans Arkane c'est très concret quand même, c'est un univers qui reste assez concret mine de rien donc je sais pas, peut-être je suis fou hein. Mais en un sens je suis plutôt d'accord avec toi The Steve parce que ça marchait bien quoi. Et je trouve que c'est la façon dont c'était abordé et présenté dans la saison 1, ça marchait très bien. Et là, en fait, le problème, c'est que je pense que ça a été pensé à une époque où le concept de multivers et de time travel, etc., était vraiment à son pic. Parce qu'on avait eu les Endgame des années auparavant, tous les films, tous les trucs Marvel, etc. Là. Donc forcément, je pense que ça a influencé sur la façon de créer le truc. Et qu'à un moment, bah, ils étaient obligés d'aller au bout du scénario, quoi, parce que ça avait été avancé. Alors qu'aujourd'hui, bon, bah, c'est un peu... Ouais, mais moi, je trouve que c'était un truc intéressant, Sinister, hein, surtout quand t'as des backgrounds avec des personnes qui, eux, veulent, comment dire, créer et... qui veulent, comment dire, réussir à... Qui pensent que c'est possible d'être, de concilier deux classes qui sont totalement opposées, et l'autre côté ceux qui sont persuadés que bah on n'arrivera jamais et que, enfin c'était super intéressant la dualité entre Vander et Silco, je trouvais que c'était vraiment fascinant quoi. Et par la suite, ouais, c'est limite j'aurais préféré que tout se passe à Zone presque des fois. Dans la saison 1 je le trouve trop chiant Jace par exemple. Okay. Victor, je le trouve vraiment intéressant parce qu'il y a le côté, bah, c'est un mec toujours mis de côté, qui a jamais réussi à éternel second. Super intéressant, mais Zone, c'est une faction dans. Ah mais bien sûr, moi j'ai toujours trouvé que Silco était un personnage très intéressant. Il laisse une trace hein, dans la série, mais c'est vrai que son pic, c'est vraiment... Mais moi, je vais pas vous mentir, la saison 1, ça m'a beaucoup ému. Genre, il y a des épisodes où j'avais les larmes aux yeux, quoi. Saison 2, bon, bah... J'ai pas réussi du tout à entrer autant dedans. Mais complètement, ça présente des trucs. Mais en plus de ça, quand il réfléchit, Jingsun, ça présente bien aussi. Il y a un message vraiment intéressant et assez fort dans ça, c'est que Victor, ancien zonien, jamais il est monté à la table. Jamais il est monté à la table. Jace, il a jamais été des bas, de la classe populaire. Il est instantanément propulsé, il a son siège. Donc c'est super concret, genre on comprend vraiment très bien ce message là. Et dans la phase 2, bon bah
Après, bon, les théoriciens débiles là, de League of Legends, il y a des mecs, j'ai vu des TikTok. C'est moi ou ce personnage, il a eu trop d'exposition? Bon. Quand League of Legends essaye de faire des scènes où il présente un perso pour le créer un tout petit peu d'empathie et le faire mourir juste après pour te faire comprendre une situation, il y a quand même des débiles qui arrivent pas à comprendre ça, quoi, et qui voient ça uniquement comme des scènes d'exposition pour un personnage de League of Legends. C'est dommage que la communauté de ce jeu soit à ce point débile pour certains trucs, hein, mais bon. Ah, mais League of Legends a peut-être fait des trucs trop malins pour eux, quoi. Ah, mais bien sûr, mais de toute façon, Dimrost, Silco, pour moi, c'est juste un mec très ambitieux qui pensait uniquement. Enfin, mais c'est de la même manière que Vander, c'est juste que, genre. Je trouve que Silco comme Vander, c'est deux personnages qui ont les mêmes ambitions, qui veulent juste les appliquer de manière totalement différente et qui ont une vision, l'un beaucoup plus cynique des choses. C'est. Mais bon. Ah mais j'ai juste trouvé qu'effectivement la saison 2 était se veut et s'intéresse à beaucoup plus de sujets sans que pour autant ce soit très maîtrisé. C'est très très beau, mais je pense pas être le public de cette saison 2, tout simplement. Et j'en suis persuadé, je ne le suis pas, tout simplement, hein. C'est factuel, je ne suis pas le public de cette saison 2, voilà. Puis même, je ne comprends pas dans la saison 2 pourquoi ils ont décidé de... Parce que dans la saison 1, il y avait vraiment genre Jace. T'avais d'un côté Jace et Caitlyn qui évoluaient, et de l'autre côté Vi, Jinx, et, avec en intriqué Powder et comment dire, Silco et Vander. Saison 2, Jace, Jinx, chaque personnage a son temps d'expo et ça en fait un truc assez imbitable et désagréable à suivre par moment. Je suis assez désolé, mais en Bessa, j'aime bien le perso, hein, je le trouve intéressant, mais bon. Mais s'il te plaît, arrête! Faut falloir que je les endorme combien de fois par contre? Mais il a un cul blindé ce fils de pute! Il a un cul blindé, cet enculé. J'en reviens pas. Bon. Quiet, c'est quand tu veux que tu lui tires dessus et que tu l'assommes. Mais Quiet se branle sur ma gueule là par contre. Je vous le dis, Quiet se branle sur moi.
S'il te plaît. Mais lui, il a un casque en... Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu, bon sang? 4 fois, je tire dans le casque, il devrait exploser. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Putain, mais qu'est-ce... Mais... Putain, mais comment c'est possible que ce soit à la fois un des meilleurs jeux de l'histoire et un des pires jeux de la planète, là? Non, mais son casque, il est en... Je comprends pas, là. Je comprends pas, là. Là, je comprends honnêtement pas. Qu'est-ce qui... Non, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, là? Non mais là c'est, mais c'est pitoyable, mais qu'est-ce que... Oh oh, Konami, qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh oh. Putain la vache. Nique ta mère un peu là. Et toi, nique ta mère, fils de pute, va. 40 balles dans la tête, ça, sac à foutre, va. Tiens, ouais, dans vos mères. Vous pétez les couilles. Help me. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh. Donc les culs en adamantium. Crâne en béton armé. Coyote qui sert littéralement à rien. Qu'est-ce que c'est que cette horreur là? Rien compris là ce qui s'est passé. Bah regarde les Sinister, si tu regardes les cabinets de Dr Caligari ou alors des Nosferatu, c'est franchement impressionnant, hein. Là je suis à 45 heures de jeu, Rabs. Mission complete. Great work. Ah ouais, je saccage le jeu. Alors. The target filled us in on what's been going on. He betrayed the Soviets, passing information to Langley, but got scared after learning XOF used the vocal cord parasites. Uh-huh. Then came feelings of guilt that his leak sent comrades to their deaths, and fear that America might deploy such a weapon itself. Uh-huh. But in reality, XOF and Langley don't have a collaborative relationship, and Skullface was not working for America. Still, I can't blame the man for being afraid. After laying low with the Mujahideen, he tried to cut his ties with the US and return to the Soviet military. But along the way, someone came after him, and he was forced back into hiding. Could have been remnants of XOF looking to silence him. And you know the rest. He doesn't seem to know much about the parasites, but nevertheless, it'd be too dangerous to hand him over to Langley or the Soviets. We'll keep him here as originally planned. Logique. Encore un. Les hamburgers de Kazuha. Ah bah les voilà, les hamburgers. Battle Gear est prêt. Oh oh. Emmerich's finished development on that Battle Gear of his. Get back to Mother Base. Bon bah on retourne à la Mother Base, hein. Parce qu'on n'a pas le choix visiblement. Oh là là.
Pardon. Salut Bernard. C'est quoi ce monstre? Dis bien Bernard, dis bien. Eh, y a pas d'heure pour en boire, hein. Bon bah ça, je vais l'améliorer au max, hein. Oh là 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 là. The Battle Gear is an armored weapon developed to take on hostile bipedal weapon systems. But unlike the Soviet-funded Walker Gear, the Battle Gear still hasn't been properly field tested. I'd like to assign a combat unit to take it on dispatch missions so that we can evaluate its capabilities and reliability. Assuming you've got no objections, give the order to dispatch the unit from your iDroid. Bah, je vais la VOD. Je vais la VOD. Oh là là! Oh là là! Ça va être bien la VOD! Ah, c'était fort, hein. Ça, c'est du bon, ça, c'est du bon! Ah, pendant ce temps-là, les live chats de Théo. Mais nique ta mère, la pute! Moi qui baisse ta mère! Aïe, 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 aïe. J'en dirai pas plus. Je suis mort. Winry qui va mourir de contamination aquatique. Apex à 13h, apprends-nous à lécher. Je lèche. Apex à 13h, j'en suis. J'en suis. Boss, we need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Ouais. Ouais, 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 on va faire ça. Tu es ma meilleure. Je suis hors ligne. Je suis en vie. 270 000, attendez. Équipement. Ah, le Battle Gear, je peux pas encore le débloquer là. Donc vous allez me dire, ma grosse bite, que je peux pas débloquer le Walker Gear là. Eto. Eto. Ça c'est bon, Eva, je l'ai pris. Non, je les ai pris les combinaisons. Hein, c'est réservé au personnel féminin, c'est-à-dire je peux pas les avoir si j'ai pas. Pas mal cette technique. Qu'est-ce qu'il faut que j'aille faire là? Du coup, faut que je l'envoie où là le Battle Gear? Je crois que j'ai vu qu'il faut que j'envoie le Battle Gear en. Ah, c'est une liste secondaire ça? Attends, si je peux en faire deux là sur la map. Le déminage il est où? Infanterie lourde c'est là. Ah ouais, mais non, mais c'est tellement haut. Faut que j'aille là, donc bon, on va aller. Bref, l'hélipode il est au-dessus. Ouais, il y en a un à droite là. Mais attendez, je crois que je peux faire juste. Non. Ce qui n'a pas trop de sens si je peux me permettre, Brian, dans ce cas-là, mets-le juste en principal. Il y a de la brume, incroyable. Boss, welcome back.
mêlée en secondaire, hein. Enfin mêlée en principale hein, si c'est important. Hein, c'est... Roger. Hop. Allez. Je vais améliorer, je vais me refaire une arme là. Oh là là, il est beau hein. Oh. Pardon. Faut attendre une minute pour la roulette. Bande de cons. Personnalisé arme. We need evidence to prove our suspicions about Emmerich. Head to the central base camp in Afghanistan and recover that AI pod. It's time we purge Diamond Dogs of that traitorous parasite once and for all. Ça y est, trop bien celui-là. Il est incroyable ce... Arrête, il est trop bien celui-ci, ce canon-là. Chargeur, je vais prendre un... Ah, après, le Dual 30, ça fait rechargement rapide. C'est ici, un long chargeur, c'est quand même mieux, je trouve, moi. Ouais, les crosses, ça, pour moi, ça change pas grand-chose. Crosses légères, non. Ah, une meilleure stabilité en mouvement, ceci dit. Mince. Ah, celle-là, elle est bien. Bouche de canon. Prendre un muzzle classique, hein. J'ai... Ouh, ça y est, moyenne solidité sur les... Ok, j'ai le booster. J'ai un double boost, double viseur. Ah, j'ai des jolis camos quand même. Mais bon. Apocalypse Now. Qu'est-ce que vous racontez? Pareil. Bah je mets les trucs avec stabilité mouvement, moi désolé hein, mais... J'ai des armes, si je peux rendre les armes plus pratiques. Alors le Breman. Ok. Ouais, après ça c'est au goût de chacun, c'est les viseurs là. C'est rapide et furieuse. C'est vraiment au goût de chacun qui, comment vous préférez vos... Ok, j'ai un killer bee maintenant aussi, ça c'est bien. Ok. Fightless. Eh non, c'est toujours pas terminé le jeu.
We are back. Putain, on est tellement de retour sur le jeu. Bon bah là on va faire une mission secondaire principale. Un peu neuneux le jeu des fois. Je vais pas mentir, c'est pas le genre de truc que je trouve Attendez, je vois entre 115 et 143, il y a combien? Ça veut dire il y a genre 30 missions d'élimination de chars là? Je suis mort Loïc, tu connais pas la tenue de taré. Tu connais pas la tenue de taré. J'adore ce jeu. Moi je te jure, la map, je trouve, mais même celle en Afrique, il y a des zones qui sont incroyables dans la forêt. Mais l'Afghanistan, la map, elle est magnifique. Mais j'ai l'air d'un monstre. J'ai absolument et uniquement l'air d'un monstre là. Désolé hein, mais t'es maman. Bah, j'arrive au chapitre 2 et je fais les missions principales du chapitre 2 parce que les missions secondaires je me les garde pour le côté parce qu'elles sont assez répétitives et on les a vues plusieurs fois, on les a testées au début. C'est la tenue des Skulls exactement. Je vais tester le sniper. A mon avis, ça va être une balle, un mort. J'ai envie de tester dans un mec qui a un casque pour voir s'il a une pénétration max. Mes armes elles sont trop belles genre. Elles sont bien longues hein. J'aime bien les armes longues hein, quand même. Ok, l'hélico est parti là-bas. Quoi, il est en reco sur la base. Ah, elle est chiante à attaquer cette base hein. Celle-là on la coco, elle est chiante à attaquer. Mais toi retourne à la... Wow, we're the kids in America. Je chante un peu parce que sinon on se fait comme le spider de Tri-Tri. Quoi? Ah oui d'accord. Oh la vache. T'as eu du mal Esbo hein. Le spider, le sniper je suppose tu voulais dire. Parce que je vois ce que tu veux dire du coup mais... Ah non ça va, c'est celle-ci, je pensais à une autre. Je vois ce que tu veux dire hein, mais Alors. Mais sur ce jeu c'est pas pareil la piste 6. Zoom 4 fois. Il a un casque sur la tête ou pas? Ah oui il a un casque sur la tête. Oh. Alors ça, imaginez ça avec un silencieux. Explosion de crâne à travers le casque. Mais c'est pas la piste 6, Ouzagin, puisqu'en fait le problème c'est que c'est les musiques qui sont dans le jeu. C'est vraiment les musiques du jeu. Oh la vache. Ah le pauvre bonhomme. Ah oui non mais là ça, c'est j'ai un explose crâne là. Oh, mais en plus je peux la voir sur Quiet celle-là bientôt. Coyote avec cette arme, bon bah c'est... Donc la mission là c'est quoi déjà? Ah faut que je récupère, extraire le pod IA. IA! Je suis bon quand même.
Bon là c'est le moment, il va falloir que je prenne des informations quoi. Ah c'est vraiment trop cool à jouer hein. Ouais. Mais ça me fait penser qu'il y a une musique que j'ai pas récupérée, faut que je la récupère. La Take On Me, je l'ai oublié de la récupérer. Je l'ai oublié de la récupérer. Est-ce que je pourrais parler un petit peu français s'il vous plaît? Ben je pense que oui, effectivement le remake du 3 aura le même gameplay que celui-ci. Et ce qui est la plus belle chose qui pouvait arriver, parce que le... Je te jure, j'ai trop hâte du 3. Hein. Le remake du 3, j'en ai mais une hâte mais monumentale. Ah, le truc, c'est j'ai tellement kiffé le 2, le 3 de base. Bah, j'ai essayé de la récupérer, mais à chaque fois, je... Alors... Mais non mais en fait c'est à chaque fois j'avais l'impression que je la récupérais mais en fait je perdais ma mission et du coup bah je devais la re-récupérer mais j'oubliais de la re-récupérer. Heureusement que certains des ennemis sont vraiment des biens. Il y a un truc qui cloche là, pourquoi c'est aussi simple de rentrer dans la zone? Il y a un truc qui cloche là. Ça m'a l'air un peu trop simple. Bah tu m'étonnes. J'aime trop quand ils font ça genre. Ils klaxonnent comme si genre Allez. Donc là il faut que je trouve. Je peux rentrer là dedans là? Normalement je peux. Putain j'avoue le classique si on pouvait faire fredonner autre chose à Quiet. Cette tenue bah elle est super sexy déjà pour commencer. C'est moi où je deviens un monstre de la stealth, enfin de discrétion là. Mais... Ça va pas ? Salut les Balcombris, comment ça va? Attendez mais... C'est moi ou c'est Yui et Kaz Miller là? Et pourquoi il y a des photos de Kaz avec Yui? Paz? C'est qui ça? C'est Emma? Putain c'est avec Peace Walker. Ah mais oui c'est vrai, j'oubliais que Yui il avait été à l'origine de la mort de Peace, enfin de la base
Enfin, l'équivalent de Mother Base dans Peace Walker. Les 6 commandistes, j'avoue que je connais pas l'origine. Ok. Ça, c'est dans Peace Walker. Du coup, ça, c'est vraiment des éléments résiduels de Peace Walker, quoi. Doctor Strangelove, ok. Doctor Strangelove? Ils en parlent comme une méchante, non? Salut Julio! Ah putain! Ah putain, désolé! Ah bah on peut pas toujours réussir à être le Shockmeister, le mec qui fait le bus, comme qui dirait. Hop là! J'allais dire with the kids in America. Ouais, je regarderai tout. Elle fera moi ça. Bah, les signes d'âme sont quand même cataclysmiquement beaux. Outre le fait qu'ils sont magnifiques. Non, mais là en ce moment, c'est. Là, c'est. Putain, mais là, je suis en mode stealth atomique là. Je rentre dans la zone, je prends les infos, je me casse. Hein. Non mais attends, mais pour l'amour du jeu, je vais devoir aller attaquer une zone. Ah bah là, il est en mode fast running. Hein. Ah mais du coup, les missions... Ah mais j'avais oublié que les missions secondaires, ça faisait ça. Ensuite, faut que je fasse quoi là? Sécuriser la dépouille de l'homme en flamme. C'est où ça? Ok, c'est dans la même zone. Il faut que je passe par où? Ah, je vais y aller. Tu sais quoi, je vais y aller à pied en vrai. Ah, j'ai trop hâte. Est-ce que je peux passer par là? Je sais plus. Ah, il faut que je traverse le camp quand même. Vas-y, bon, on va le faire. Je vais traverser le camp, je vais prendre une voiture. Non, mais je pense qu'effectivement, c'est un jeu qui ne vieillit pas du tout en fait. C'est ça qui est assez ouf. Hop là. Et on va le laisser passer. Pas de victime inutile. Tu deviens bon. Ah dis donc. Bon allez, je te ramène à la baraque. Take on me. Take on me. Voilà. Oh, wow. Excusez-moi. Personne la voit là. Oui bon, ça va. Il est de face ou de dos? Il m'a l'air d'être de face. Retourne-toi. Ah non, il est de dos. Ça va faire du bruit si je tire à travers la fenêtre, je pense.
Attends, j'ai touché le... Je crois que j'ai touché le gilet malheureusement. Le gros canon rose qui dépasse. Bah ouais. Bah ouais. Hop là, encore du bon travail effectué pour ma part. Je suis tellement le goat. Ok, bon bah bon travail, non ? Faudrait une petite bagnole quand même. J'adore la map de nuit. Ah mais malheureusement j'adore le jeu. Par contre c'est vrai qu'il court vite hein. Il court super vite Snake avec cette tenue là. Il y a des tenues qui courent plus vite. Comme les chaussures. Mais celle-là elle doit courir super vite, c'est pas possible. Ah mais en vrai celle-là chargée en skull skull machin, ça doit être incroyable. Oh. Bon, vous savez quoi? Je suis pas d'humeur tueuse. Vous avez du bol. D'humeur laisse vivre. Oh, athlète. Alors toi, on va te ramener au camp. Ils ont pas dépassé Fortnite hier hein. Dites-vous pendant ce temps là pour toi et moi. Bon bah 4 jeux. J'avais pas vu l'autre là. Ah, il a du bol que je suis pas les mecs qui fument. Non, parce que je casse souvent les casques, justement. Pas de problème avec les casques. Spit it out. Il avait fini sa pause clope, j'avais le droit. He's coming too. Roger that. Putain, regardez-le, lui rompiche là.
Mais j'avoue que, étant donné que je fais énormément de déploiements de combat pour détruire les équipements, bah j'ai pas trop de problèmes. Genre en permanence, je fais des déploiements et du coup, ils ont pas trop de. Wait! They don't love you like I do. Wait! Extrait soldat hautement qualifié. Bah, en vrai, je vais en profiter, c'est sur la route. Non mais je jure c'est ça hein. Avec Apex je trouve autant le jeu on est autant le jeu est on est pas mauvais mais avec Pota je trouve que c'est un jeu qui est plus dur que Fortnite quoi. Bon jeu multi, moi je te jure que R6 c'est un des seuls FPS multi auquel je peux m'envoyer la bite hein. R6, moi je suis un peu un kiffeur d'R6. Bon, ça fait un moment que j'y ai pas joué parce qu'en ce moment je suis full full jeu vidéo solo, mais. Non, on l'a pas mis, mais ils veulent le mettre dans le Gauntlet A4, mais je serai pas là donc. C'est une catastrophe là les gars ça. Les shields c'est une catastrophe dans le jeu. Ils en rajoutent un qui est encore plus puissant que les autres. Il y a un 4x4 ici. Non, tac. Pas qu'il en demande non plus, donc qu'est-ce que je te dise. Ok. Je vais la faire reco sur toute la zone. Si le soldat au qualifié il a pas minimum un S. Ah mais après ça reste le meilleur FPS compétitif qui existe hein, Flygas malheureusement. Avec CS etc. Désolé hein, mais il n'y a pas beaucoup de FPS qui soient à la cheville de R6 hein. Ça m'énerve, c'est un peu ridicule les soldats là. Ça a bien marché comme il fallait, c'est bien.
Non mais c'est bien, ça a marché exactement comme il fallait. Je veux dire, le mec a pris la balle quand il fallait, à l'endroit où il fallait. C'est bien fait. Tcha, vas-y, ta merde, pute. Ouais, je viens de le lancer, Omegas. Ça fait même pas... Ah si, ça fait 1h40 quand même. Bon, je me rends pas compte, le temps passe vite. Il y a des snipers aussi. Eh mais quoi, t'as fait pas son taf aussi. Lui là. Attends, c'est... Attends, mais c'est une dinguerie. C'est lui la target, alors que lui, il est full A+. Foutez de ma gueule de la bite, là. Vous jouez de ma queue. C'est une folie furieuse, c'est une folie monumentale furieuse. Moi qui quitte, j'en sais rien, j'ai pas lu, j'ai rien dit moi. Ah c'est fort hein. Ah c'est putain de fort hein, j'aime trop quand ils font ça hein. Les hitbox du jeu, c'est... Salut Thiago. Comment est-ce fils de pute là? Et voilà, et du coup l'autre il a plus les stats de fou. J'en reviens pas hein, quand même hein. Endors-toi, fils de pute! Mais il devait s'endormir 1000 ans là! Ah, nique ta mère un peu! Oh, qu'est-ce que ça peut être chiant! Non mais dites-vous, il y a des mecs qui me touchent là-bas, hein, de là-bas, ils me tirent dessus, ils me touchent. Hein. C'est assez bien. Eh hey, Quiet, je t'ai envoyé là-bas en reco, frère. Pourquoi t'es pas là-bas en reco? Pourquoi elle m'écoute pas, Quiet? Pourquoi le perso il fait pas que ce que je lui demande? C'est une dinguerie ça! Impossible qu'elle soit sourde. Ça j'y crois pas. Il y avait une Jeep là. Je vais aller récupérer la Jeep quand même pour prendre la... aller plus vite. Je comprends pas ce mode de visée. Mais elle y va ou pas là? Allez. Eh pas mal hein, la course. Putain, c'est là qu'on s'est rencontrés. Pas mal. Elles sont belles ces ruines hein. J'avoue que je suis monté jusqu'à Emerald en solo queue sur R6 et
J'ai pas vu autant de cheaters que ça. Ça a commencé vraiment vers plate 1, émeraude 2. Voir émeraude 4, etc. Mais avant, j'en ai pas eu beaucoup. Ouais. Je me doute. Lui, il a des trucs de fusil à pompe, ça peut être intéressant, effectivement. Elle est en train de faire la reco, correct, merci. Mais c'est abusé, pourquoi il y a autant de gens qui cheatent sur les jeux? Je comprends pas moi l'idée de cheater autant. C'est bien, la tête elle est bien faite. Ouais mais moi j'arrive pas à saisir, genre à part ceux qui veulent monter rapidement pour aller à... J'allais dire, sauf ceux qui se disent bon je veux vite monter à niveau à ce niveau là de jeu pour commencer à jouer. Je me dis bon bah dans ce cas là je sais pas mais ah je sais pas. Ouais un Wallach surtout sur R6 c'est tellement incroyablement puissant genre. C'est ridicule. Ça va être un mensal. En mode kiff total là. Il y a des dépouilles de l'homme en flamme. Ils ont ramené en Afghanistan la dépouille de. Ah mais oui. Ceci dit. Ah mais oui oui. J'étais en train de dire, ils ont ramené en Afghanistan la dépouille de Volgin, mais. Ouais, ça ne paraît pas illogique. Oh, bon anniversaire, Mensalt! Bah. Je l'ai vraiment deviné à la frame où il est apparu, personnellement, Brian, mais. Ça se trouve c'est pas lui hein, mais si c'est lui ça me surprendrait pas du tout une seule seconde. Alors, ça me paraît très logique quoi. Pourquoi ils ont pas de femmes dans leur armée eux? Connard va, misogyne de merde. Skullface de merde. Après ceci dit Skullface je l'ai annihilé là. Qui a repris À niveau tenue, ça paraît logique.
Ah putain, bien joué Loïc, tu m'as outwalk. Je me suis fait outwalk. Nouveau terme que j'emploie. Outwalked. Oh, mais le monde qu'il y a sur cette base, c'est abusé. À chaque fois, cette base, elle est folle. Je trouve elle est infâme à attaquer et en même temps, elle est incroyable, genre. J'ai pas commencé encore à aigrir Antoine. Chaque fois je me dis je vais commencer cet après-midi, puis je me connecte sur Discord et je reste sur Discord jusqu'à la fin de la journée avec la caca box donc. Excusez-moi, je me concentre. Oula, 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 chica bambina, qui m'a vu là? C'est lui là. C'est sur Gantlet, je sais pas en vrai. Où est Elsie, comment il dit? Où est-ce qu'elle est la dépouille, sa mère? Elle est là, là? Comment je sécurise la dépouille, frère? Aucune idée, Flygas. Blackbird, ça va être infâme hein, le nouveau rework. Hein. Attendez, ça m'amène dehors ou dedans? Je suis toujours pas à l'intérieur.
Elle a fait en full stealth cette zone. Pour moi, c'est un des trucs les plus durs du jeu. Oryx c'est trop fort hein. Moi je joue Oryx dès qu'il y a des shields hein. J'aime trop Flagas. En plus tu peux monter au truc. Tu peux grimper aux trappes. Trop fort. Ciao Loïc, bonne journée à toi mec. Hop là. Regarde dans ma direction là. Regarde pas dans l'autre sens. Il était focus sur l'autre sens. Ouvre-toi, vite. Faut que je récupère lui. Ok, ils vont partir dans l'autre sens. Ah merde, ils vont voir le soldat mort là-bas. Ok, c'est bon. Je mets en ligne pour récupérer les récompenses quand même. Qu'est-ce que c'est pas ta caisse là? Pourquoi ça m'a déconnecté? Ok. Putain la vache, quel jeu tendu parfois. C'est con hein, mais ça sert à rien quoi. C'est con. C'est con mais ça sert vraiment à rien littéralement de dead stealth. C'est plus d'emmerdement qu'autre chose. À l'intérieur du trou du cul directement dans le haut du crâne. Ah, je pouvais passer par là-haut là. Bon à savoir, je savais pas qu'on pouvait passer par là. Ouais après il suffit de viser dans le visage mais. Moi je suis quand même dégoûté parce que y a aucun monde dans lequel normalement Tiens moi je pouvais enchaîner vraiment des games des 4 des 6 à 7 heures de ranked hein, sur R6 hein. Mais elle est où la dépouille là? Où est-ce qu'ils ont mis la dépouille de... J'ai beau demander, y'a personne qui a l'info en plus.
Chirurgien, je ramène quand même. Elle est où la dépouille? Bon, c'est du très bon travail encore à effectuer là. Vas-y, c'est trop chiant de pas pouvoir faire des light press, genre. Je vais faire une petite simple pression pour bon. Alors, où il est ce truc de Volgin? Enfin, j'y Volgin à chaque fois, je sais même pas si c'est vraiment Volgin. À l'intérieur là-dedans. Oh la. Ah mais Ventard, c'est chiant, non? Okay. Je savais même pas que ça marchait ça. Comme quoi on découvre des trucs tous les jours. Ah oui, ok, c'est ça. J'avoue que là j'aurais pas pu, je m'en serais pas douté que c'était ça. Il aurait fallu que je prenne un peu plus de temps, mais là j'étais en plein combat, donc j'avoue que... Et c'est sa dépouille, comment il a pu mourir, je comprends pas. C'est Mister Dark. Il va me baiser là. Ouais. Ok, c'est maintenant qu'on l'apprend. Ça, c'était tellement sûr. Finito, Volgin.
Par contre, il a beaucoup moins de flow dans cette. Là, je préférais Volgin. Après, ceci dit, la tenue elle est pas folle non plus de base. Mais y'a vraiment des gens qui avaient pas reconnu que c'était Volgin? Bah, bien sûr qu'il est sexy. C'est moi qui l'ai fait. Ah, j'aime bien Volgin Feu, moi. Il a vraiment la folle du flow. Bon, fou. Ouais, ouais, je te jure. Ah, je veux pas être vexant, mais je pense qu'il faut être complètement. Faut pas avoir fait le 3, quoi, pour pas reconnaître. I barely recognize you, Colonel. Skullface used your thirst for revenge against Big Boss, did he? Boss, I've updated the mission list. We've received some new job offers. The details are on your iDroid. Hey, mais c'est la zone de quarantaine là! Qu'est-ce que je fous là? On met un cadavre en quarantaine? Eh ben. Eh ben. Aïe. Ah putain. Ah bien joué. Mais il y en a qui commencent très tôt aussi, hein. Si je peux me permettre, juste un. Même avant ça. Ah ouais, génial, j'ai récupéré des membres C. Elle est repartie. Outil nécessaire, charge plus 2. C'est quoi une charge plus 2? Ah ouais d'accord, donc c'est juste le Fultan, dispositif Fultan. Ah bah je te charge plus 2. J'ai même charge plus 4. Parce que j'ai le... Je peux extraire les enfants désormais. Donc on va pouvoir en sauver. Ce qui est très bien. Faut que je redébloque le... Ah, augmentation de la portée efficace, ok, je peux améliorer mon pistolet à eau. Ah, c'est un classique. Hein? C'est quoi ça? Il est bien le fusil d'assaut boule pop? Il y a plein de trucs, j'ai même pas développé ni même essayé de récupérer, c'est... J'avoue que... Un peu la honte. Bon ça c'est un lance-ogive nucléaire ça. Donc ça je prends... Oh un javelin. Enfin. Oh le bandana. Oh enfin. Nice. Ok, on continue. Putain, ça bosse comme un chien. Ok, direction. Mission. Ah, déjà faux. Ouais, j'avoue que là, je me focus plus sur les missions principales. Hein. J'en ai tellement goûté des secondaires. Je vais pas. Je dirais, j'ai pas le droit de regarder la bosse.
J'adore ce jeu. Gestion de la base. Quand même pas mal ma mother base. Salut Crudal. C'est vrai. C'est vrai, mais putain, qu'est-ce qu'il a la classe, cet enfoiré. Enfoiré, Snake, enfoiré. Oh, purée, là, bourdi de pipe. Ok. Oh, je suis mort ce soir, Lethal Company. Et il est midi, ok. Oh, on est dans la Lufo Valley. Oh là. Oh, j'aime pas cette zone à attaquer, mais on va voir. J'adore cette zone cependant. Lethal Company, si c'est bien ce soir, effectivement. Putain, le flow de bâtard. Bon, tant que j'ai pas le bandana, je vais garder cette tenue. Je suis un monstre, hein, par contre. Je suis un monstre, hein. I'm a monster. C'est parti. Là, c'est une mission d'extraction. Un héritage maudit, Cursed Legacy. Ok. Je sais pas si je vais streamer, hein. On verra. On verra. Je prévois pas. Oh. Fèvre aussi. Ah, c'est marrant parce que je trouve ça surprenant que le jeu ne se doute pas que je l'ai à ce moment-là de l'histoire, parce que concrètement ça fait vraiment genre depuis le début du jeu, hein, là, genre ça fait vraiment très 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 longtemps que j'ai le Fultan Charge 2, genre. Pourquoi est-ce que le jeu m'en parle genre en mode comme s'il y avait un monde dans lequel je l'avais pas à ce moment-là? Je trouve ça assez surprenant en fait. Genre ça veut dire qu'il y a des gens qui sont arrivés jusqu'ici dans le jeu sans avoir le Fultan 2. Ça m'étonne. Tenue stylée, ouais. C'est Striker. Ah bah j'adore l'eau, hein. Super lui devant le stream. Oh là là, mais par contre Stupid Hippo qui vient de tout dire aussi, hein. J'adore l'eau, mais surtout Loli. Lalilulélo. Loli. Y'a un cadavre là-dessous ou quoi? Nous y revoilà. Oh oh, Mister Dark, qu'est-ce que je viens de pas dire? Guards, they must know where the containers are. If you can just squeeze it out of them.
D'aucuns diraient que c'est pas le cas, Papa Lenny, mais je suis bel et bien de l'Angola. Attendez, j'ai envie de tester quand même un truc. Je veux voir si avec un sniper je peux exploser le crâne d'un mec comme lui là. Avec ce sniper là. Est-ce qu'avec ce sniper là je lui explose le crâne? On va voir. Attends, j'attends qu'il enlève son arme. Oh là là. Le sniper de taré. Ah ouais, il est trop bien ce sniper. Parce que eux, c'est des unités blindées très très casse-couilles à attaquer. Mais du coup, je vais pouvoir... bon, je me suis débarrassé d'un d'entre eux. Du reste, je vais quand même les garder en vie pour récupérer des informations. Non mais par contre, je trouve ça toujours aussi dingue à quel point le jeu est vraiment agréable à jouer, genre... Il a pas entendu. Qu'est-ce qu'ils ont enterré ici? Ah, c'est un sniper qui peut exploser des tanks. C'est quoi cette dinguerie? Oh, il m'a pas vu, il me voit pas. Il voit pas les gros trucs roses là qui bougent dans, dans l'eau. Dans le vent. Oui, oui, ça arrive malheureusement, Crudal. C'est un truc mal foutu du jeu, malheureusement, mais... Mais en fait, faut surtout que pour faire un arrêt de course, comment dire, léger, il vaut mieux que tu utilises le... Mets-toi à viser quand tu veux arrêter de courir. Ouh le stress. Ça c'est pour laver ma tenue. Des mecs au-dessus aussi. Aïe aïe. Bon. On va se barrer.
Bien dit Noctis. En mode big boss. C'est... Quiet. Ah, je l'ai pas vu lui. Ah, le pauvre, il est juste complètement abruti lui. Updated the info on your iDroid. Take a look. The PF soldiers have no idea what's in those containers. Strictly a need-to-know basis. Bon, j'ai pas été repéré encore. Ah ouais, tant qu'il n'y a pas le... Ok, ça va, on s'en est bien sorti. Elle est où Quiet? Elle est là. Je la fous en hauteur ici. En vrai, je vois ce qu'il veut dire dans la... Moi, Omegas. Genre vraiment... dans l'idée, les deux jeux sont un peu dans la filtration et il faut quand même... Dans les deux jeux, tu peux adapter ton gameplay à la situation, donc... Je vois ce qu'il veut dire, mais... C'est vrai que c'est deux jeux très différents. Ah ouais d'accord. Elle y était hein. Chiant ce jeu par moment comme ça. Tu vises, tu tires dans la tête, la balle ne touche pas la tête. Quand même, bon sang. Ah qu'est-ce que je n'aime pas ça. Ah lui il a pris 3 balles dans la tête quand même là. Oh bon sang. Allez. Target extraction confirmed.
next one. Boss, our early warning radar just picked up the enemy choppers. We'll keep you informed of their ETA. Hurry up and extract the target. You can't go firing on the XOF choppers. If we attack XOF now, it'll be a declaration of war against Cypher itself. That time will come, but it's not now. C'est quoi là-bas? Oh. 8 minutes, ça va en vrai hein. Ils sont gentils hein, 8 minutes pour tuer 3 mecs. Ça va en vrai Oxy. Après je vais pas te mentir hein, c'est pas un... Tu vois ce que je veux dire. J'ai pris du L moi. Après je fais... Ça dépend de comment toi t'es physiquement. Moi je sais que 1m80, je dois faire 70, 73 kilos. Ah ouais, non mais à un moment il commence à me péter les couilles ce jeu. Non, il y a quand même, c'est juste qu'il y a quand même des missions. Il y a quand même des missions. Sapristiche. Ouais, cette zone du décor, c'est ma préférée. Cette zone de la map en Afrique, c'est de loin ma préférée vraiment. Putain, l'extraction de taré. Qu'est-ce qui paraît long? Nom de code Wolf. Research materials back in one piece. The medical team has them under lock and key in the quarantine facility. The materials should help their research into the vocal cord parasites. Cypher won't be getting their hands on them now. One Piece. Ah ouais, non mais la map en Afghanistan, les deux maps sont très belles. Mais il y a des zones qui sont vraiment folles dans... En Afrique, il y a ma zone préférée du jeu et sinon il y a... J'avoue que je préfère la map de... Long time in the field is bad for the body and mind. I think it's time you took a break. Do it for me. Come back to Mother Base ASAP. Il veut quoi lui? Il me fait chier à me dire ça là. Ça va, je suis grand quoi, je peux me débrouiller. Si j'ai envie de rentrer demain, je rentre demain. Alors là, je puis même pas en plus rire. Oh. Stay back. It's too dangerous. Hey. Back up, kid. Mais pas la peine d'être violent. You have to stay back. Some things. Ouais, c'est vrai qu'il y a un gamin qui est mort. Back to your quarters. Hein. Et là, voilà le boss. What's going on? Shabani. Mayaka 9 Kingo ya Shabani. It's down there. Hey, the tank at the bottom is filled with chlorine disinfectant. One whiff and you'll suffocate.
Don't even. How could you let it fall down there anyway? Commence à m'énerver un peu, Eli. Après, je l'ai jamais aimé, Eli, très honnêtement. Oh bah, Quiet peut le récupérer, elle respire. Ah mais non, elle respire par la peau. Mais ça va pas. Hit the alarm. No. You go down there, and it is over. Boss. Hey, listen to me. There is no way to recover the body. Et là, on dirait que c'est Psycho Mantis. Enfin, Psycho. Attends, comment il sait lui? Il voit rien, il est aveugle. Comment il sait ce qu'elle a fait? Coco, Coco. Ils l'ont même pas récupéré le collier. Look. Ah si, c'est bon. Here. Kojima. Quand même. Boss, ah, vache. About that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse, human. The pod maintained. Moi j'aime beaucoup Oslo. Hein. Non mais j'avoue que Eli, j'ai l'impression que c'est Psycho Mantis ou un truc comme ça parce qu'il il a un rapport direct avec la fille psycho truc là. Au début, je pensais que c'était Raiden parce que. Ou alors un Liquidus, un Solidus, c'est un des enfants de Big Boss quoi, mais. C'est un des enfants pour moi de Big Boss puisque. On le retrouve. Enfin, c'est l'idée de genre la. Il en parle de son Outer Heaven et tout là, genre. Parce qu'à un moment, je me suis dit c'est Raiden, mais ça se passe tellement plus tard. Non, si je m'en rendrais compte, je suppose, à un moment, mais... Comment il va, le Battle Gear, d'ailleurs? Putain, il n'y a que le 4 que j'ai pas fait. Battle Gear! Les cassettes. Mais c'est ce que c'est des cassettes rouges ou des cassettes oranges ou des cassettes pas oranges? Parce que si c'est des cassettes blanches, c'est quand même plus compliqué. Ah, les hamburgers de Kazoa. Les hamburgers. You don't eat.
I can subsist without food. But there is more to the act of eating than nourishment. We receive nature's blessings, and we affirm our part in it. And in doing so, ouais, mais j'ai pas fait le 4, Luki, c'est le problème aussi. Sorry, it's hearing you say you don't need to eat and that you're a part of nature in the same breath. Anyway, what can we get you? Ouais, je sais pas, pour moi c'est du Solidus ou des trucs comme ça. Ou alors comment il s'appelle pour moi c'est un des enfants de Big Boss. I eat them often back home. And you just can't let them go. Well, Liquidus, comment il s'appelle déjà, c'est Liquidus. Liquid, pardon. Ah bah elle est pas mal ma bagnole. Faudrait que je les personnalise un peu mes bagnoles. People suffered so much at the hands of America, and you ask for hamburgers. We have. Bref, je trouverai bien assez tôt quand, qui sait en vrai. Enfin, à travers le. Balance has nothing to do with it. You just like a good burger. That is also true. Be warned, though. I have very high standards. Elle est plus maniable, la bagnole, j'ai l'impression. Au début, elle était pas si maniable. All right, then. One good old-fashioned all-American icon coming up. I look forward to it. Tu mens. Mais je suis mort, hein. Well, the last one was lacking. The patty was too thin, the bun too dry, and the lettuce days old at best. Hey, that was 100% all beef patty, and no shortening in the bun either. Nature's blessings, unadulterated in hamburger form. Is that it? But when taste falls short, so does our gratitude to nature. Making such precious blessings unpalatable is sacrilege. I hate to admit it, but I think you're right. I should have known better than to settle for second best. That's why I had him run some more R&D, develop a new burger. Oh wait. In fact, one of our researchers just dropped by with the latest results. Here it is. See how you like this. We shall see indeed. Ah, il me semble que celui-ci c'est plus vieux que liquide, non? I thank you for this bounty, Mother Earth. So, what's the verdict? Not bad. Ah oui. And? But it does not hold a candle to what I ate back home. Everyone's a critic. Damn it. I was sure the Kobe beef, but maybe we didn't add enough. We had any more. We're cutting into our profits. Profits? We'll be taking a loss on every unit. What are you talking about? Huh? Oh. Anyway, I'll be back with another round of product. I will be waiting. Did you say product? C'est The Boss. Mais non, c'est The Boss.
us know if you need supplies, boss. Eh hey, vas-y, je trouve pas l'entrée là. Ah oui, faut que je suis con, je suis au mauvais endroit. Bon, j'en profite, j'aime bien me balader de toute façon sur la mother base. This is Yellow Cake that Cypher was having the PF's transport. Before we met you, the boss recovered it from a truck crossing the Savannah. Are there metallic archaea inside it? Yes, the archaea metabolize uranium 235 to subsist. They must be stored inside Yellow Cake. Or they cannot survive. So those biological traces we took for impurities were actually the real cargo. Of course they are deactivated, so they do not trigger a sudden enrichment. They are like baker's yeast. Yet, they do gradually enrich the uranium as they feed. I imagine you detected weapons-grade traces. Yeah, we did. And the malachite that was loaded on the truck had traces of uranium in it, too. So that's the flower, huh? Skullface was gonna sell do-it-yourself new kits. The uranium-enriching archaea complete with the user's manual. And the ores with the uranium could be sourced by the client or provided by Cypher. Even the trace amounts buried in common ores can be enriched to weapons-grade uranium by the metallic archaea. Proving that must have been the most important factor of the trials. Eh ben. That, and the ability to successfully prevent detonation. So if the amounts of uranium in the ores are low enough, they can get past any inspection. And you only need a tiny amount of the archaea to act as the yeast. No great challenge to smuggle that either. The first step towards saturating the world with nukes. Putain. His plan. That was not my intention. My only goal in developing the metallic archaea was to save the Diné. What made you think a tool for creating undetectable nuclear weapons would save your people? After 70 years, the Diné reclaimed the Navajo Nation from which we were banished. We bore all the hardships of poverty. Fine. Yes. Strangelove was doing AI research. Oh, 3 minutes 45, quasi, c'est long à chaque fois. Hein. Okay, so what? I wasn't working alone. Je suis pas ultra fan de ce truc parce que, en général, s'il y a bien un truc dans la vraie vie que je déteste, c'est les audios. Genre, quand quelqu'un m'envoie un audio, je déteste ça. Je dois tout arrêter pour me concentrer sur l'audio. Alors, dans un jeu vidéo, en plus, quand le lore se déploie à travers ça. Vache. Snake. On l'a pas déployé en combat, lui ? D'accord, aussi. Ouais, mais je parle des trucs quand tu fais quelque chose, Fenrir, mais genre quand tu fais rien, quand tu dois faire, là en l'occurrence, il faut que je m'occupe pendant que j'écoute le truc, quoi. Merde, du coup, j'ai loupé Mamba and the rest of his unit in the staff living quarters. How's that going? It's a disaster, but what else can we do? We've taken away his weapons and banned him from using his nom de guerre. Apparently his real name is Eli. He must feel like we stripped him of his whole identity. We'll let things simmer down. I put a guard on him for now. Still the question is, who is he? Where did he come from? And how has he survived? He's still not talking. No, he won't say a word about himself. But you know, it looks like he speaks English. One of the deck crew called out to him in English, and he said something back.
He just lost it all of a sudden. Started mouthing off at the guy, in perfect English. He wasn't stringing together words he picked up somewhere. So English is his mother tongue. He could be from the east, or the south, or maybe even further north or south. English is well established in countries all across the continent. It's rooted in Africa like a weed. Or maybe parasite. Ouais, bon là, c'est bon, on a compris que c'était liquide, quoi. English doesn't help us figure out where he comes from. Could even be from off-continent. Right. In any case, we'll keep an eye on him. If we learn anything else... Après, ceci dit, si je savais pas qu'il avait un accent anglais très fort, comment dire, liquide dans le 1, parce que, bon, j'ai joué au 1, mais en VF, parce que je trouve que la VF est exceptionnelle. Il lui ressemble, c'était quand même un amas de polygones dans le 1, donc il lui ressemble... j'ai pas regardé tous les artworks de A à Z, je me suis surtout concentré sur les informations... comment dire, de contenu, quoi. Mais c'est vrai que il est connu pour avoir un très fort accent anglais. C'est un des seuls blonds de tout le jeu. Ouais, bon, c'est pas suffisant à mon goût, tu vois. Pour moi, après j'avoue que je me base sur le fait qu'il parle bien anglais, mais bon, ça c'est tellement... Non mais je suis d'accord, effectivement. Pour moi, c'était de toute façon soit liquide ou les trucs comme ça, de base. Après, les cheveux, ça change. Qu'est-ce qu'elle a, la MR5 correction visée? Ah, elle fait plus de dégâts. C'est quoi l'arme qui fait le plus de dégâts? Elle fait pas de dégâts, hein, les PM. Hein. Y a pas une seule arme qui fait vraiment de dégâts hein, dans le jeu. Hein. Ah, celles-là elles font mal quand même. Dushka va très bien, Yannours. Merci. Dushka. Je suis à combien? 882 000? Ah, bah je peux mettre la tenue d'infiltration max. Il me manque des PIM et de la R&D. Attends, je vais juste récupérer. En fait, je vais juste récupérer toutes les tenues. Ah, j'allais oublier le bandana. Où est-ce qu'il est? Bah, il est où le bandana? C'est 400 000 en plus. Ah bah voilà. Putain, il est au milieu de nulle part là. Comment j'aurais pu le trouver? Ah bien sûr Red, je suis complètement d'accord. Alors, hop. Roger. C'est tellement un bon jeu, c'est abusé quand même. Ah merde, je l'ai envoyé au-dessus. Ah fuck. Faut que je monte là. This is B-Quad. Arriving shortly at LZ. Ça, c'est pas trop chiant de monter à chaque fois c'est une énigme pour comment monter tout en haut là, s'il te plaît. Je monte après. Ouais, c'est chiant un peu quand même. Bon, s'il y a des escaliers là, j'avais pas vu.
J'avais pas trouvé ces escaliers là. Bon, ça va, la base elle expande au maximum. Qu'est-ce qu'il veut ce connard là? Toi, expande la base. Va faire des missions, connard, va. Oh. Par contre, c'est tellement un labyrinthe. Enfin, un labyrinthe, pardon. Putain, moi je. Dis-toi là, Loki, je suis à 50 heures de jeu. Et j'ai même pas fini le chapitre. Enfin, je suis loin d'avoir fini le chapitre 2. Petit pipi. J'avoue, je vais changer la musique de Pequod. On va lui changer sa musique. About that AI pod you retrieved from Emmerich's research facility. Guess what we found inside? A corpse. Human. The pod maintained a low internal temperature the whole time. Very little outside air got in. That would have slowed down decomposition. Still, the remains were mostly skeletal. Estimated time of death is between 6 months and a year ago. We put the screws to Huey about it. Listen to the tape. Turns out it was the body of someone we knew very well. Ouais, ça j'ai remarqué quand même que c'était quelqu'un qu'on connaissait. Bah merci Glolu. Bonne journée à toi. Vous savez très bien comment ça marche ici. Ouais, ouais, c'est tout est rose. Everything is pink. J'avoue que non mais le D-Walker par contre, je m'excuse, mais vraiment, je n'en ai pas grand chose à foutre, quoi. C'est même pas que j'ai pas envie, mais il m'intéresse pas plus que ça, le machin. Pourquoi j'ai plus de mission principale là, je suis obligé de faire des... Oh non, c'est pas vrai. Oui, j'y compte, Xirio. Bah au boulot, hein.
Au boulot, on va aller faire des secondaires. Mais des secondaires secondaires ou des fausses secondaires? Là, j'ai rien en jaune, rien en... Ok. Bon, pas grave. Extrême, discrétion totale. Nécessite une discrétion totale à partir de terminer lorsque... Eh bah ça, ça va être marrant, tiens. Attends, il est quelle heure? Ah j'avoue, il est 13h, bah on va s'arrêter là, on doit faire Apex avec Pota. Ceci dit, attends. Ça prend combien de temps le truc discrétion totale? Rapide. Bon, je fais la mission et puis c'est EO, ça va. Il va arriver à 13h12, je vous le dis. Faut vraiment que je prenne la tenue la plus discrète possible. Oui. Je vais me faire un nouvel équipement. Un pistolet à eau niveau 2. Je vais prendre le pistolet à eau étant donné que j'ai déjà un sniper. Alors. Je vais prendre celle-ci qui est plus sneaky. Je suis du coéquipier, je vais laisser Coyote avec Papillon coupable. J'ai pas. J'ai pas encore les. Je pensais, j'étais persuadé d'avoir pris les trucs. Allez. Oh putain de boulot, j'ai envie de dire. Oh fucking boulot. Something's happening, I'm higher on if I don't know. Discrétion totale, empreinte de fantôme. Alors c'est des... Ouais, faut juste même pas qu'il me repère ne serait-ce qu'une seconde. Ça va, j'aime bien. Ah, je suis deux jours là, imbécile. Boss, this contract comes from the People's Movement for the Liberation of Angola, also known as the MPLA. Ah, c'est moi où les cheveux ils poussent de Snake. Has been supplied with Walker gears. Your job is to eliminate them all. Destroy them, extract them. Whatever you see fit. Ah, c'est... This just might get us closer to the Walker Gear supplier, Cypher. Good luck, boss. Comment on stoppe? Comment on stoppe? Comment je stoppe? Comment je stoppe? Mais comment je stoppe? Mais... Yeah.
Tiens, attends, je vais voir. Ouh, ouais, bien plus précis déjà. Commence à être pas mal ce pistolet à eau, hein. Non, on est d'accord, la mission. Bon. Snake peut affronter des putains de tanks, mais monter ça là, c'est trop compliqué pour lui. Ah mais attends, mais ça peut me prendre 3 secondes la mission en fait, si je veux. Genre j'ai juste envoyé un putain de largage aérien sur leur tronche et c'est basta pizza hein. Quiet. Mets-toi ici. Target destroyed. Excellent work. Keep it up. Nice work. Keep it up. Je peux le faire autant de fois que je veux là. Oh, ça me coûte 43 000 quand même. Oui, j'avais oublié. Faut juste que je trouve les autres. Ils sont où les autres Walker Gear? Oh, c'est marrant ça. Je peux faire manipulation de changement de météo. C'est dingue ça. Bon après j'aurai A au maximum. Bon allez. Je pourrais tellement le javelin d'ici en fait, surtout. Si j'avais envie, c'est vraiment un coup de javelin et c'est basta hein. Ah ouais, la mission est vraiment simple en vrai, ça va. On a un tireur là. Ah, il est derrière un caillou. Ah ouais, je peux faire un bombardement là, genre Ah oui, d'accord. Ok. Bah ma bite, non? Ouais, peut-être que ma bite en vrai hein. Ouais, ok, ma grosse bite apparemment. Ouais, bon. C'est tellement de la merde les armes silencieuses. Enfin les... Bon, les fils de pute qui ont un casque en vibranium là. Lui il me le faut l'autre là. Ah d'accord, lui c'est Bastien. Ah ouais.
Lui, il faut que je tire dans son short là. Lui, il faut que je tire dans les jambes. Genre là. Oh. Normalement, j'ai touché. Ok, c'est bon. Putain, il y a trop de problèmes de hitbox dans ce jeu, c'est catastrophique. Bonsoir. Visiblement, je dérange. Oh, écoute, potage, je pourrais en terminer rapidement. Bon, écoute, je vais en finir rapidos alors. J'attendais justement. On va en finir rapidement. Putain, 13h04. Quand même pas mal. Mais, hé, hé. Une sacrée corne quand même, hein. Je m'écarte un peu parce que ça me tombait sur la tête. Diamond Dogs. Ok. Alors, on commence tranquillement par celui-là. Ah, pas normal, ça aurait dû tirer. Il y a du boulet, il y a pas de boulet de drop. Bon bah autant pour moi. Hein. Tout semblait indiquer qu'il y avait du boulet de drop. Hop là, je peux pas me faire repérer, attention. Si je suis repéré, c'est foutu. Je recommence à zéro. J'ai pas envie un peu. Putain, mais il est où le dernier walker? Il me manque juste un walker là. J'ai du mal à me battre contre les cailloux, c'est compliqué quand même. Et ben après il faut toucher la tête hein. C'est quand même dommage hein. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage hein. Il est où le dernier là? Ah c'est lui. Allez hop on se casse. Quand même dommage. Oh peut-être en plus qu'à lancer Apex Legends. J'arrive ma belle. Pile poil quand j'ai fini. C'était la mission discrétion. Moi je me suis pas fait repérer hein. On a encore eu du bol hein. Mission complete. That was rough. Thanks for getting us through it. J'en ai rien à foutre. Allez hop. We were right. Once you'd eliminated those walker gears, a resupply call was made from Ditati to CFA headquarters. The CFA contacted none other than Saner. That's right, the shell company that owned Mfinda Oilfield. Mfinda. So Saner was just a front for Cypher.
Logique. The resupply won't be happening just yet. But we did learn that the Walker gears are transported out of Nova Braga Airport. Apparently, there's a distribution network on the Savannah that links all the PF outposts. Sûrement, ouais. The intel team investigate this network. Bah voyons. If Cypher is supplying PFs with Walker gears, the PFs have to be offering them something in return. Ouais, ça fait longtemps qu'on sait ça. Mais c'est de la redite là. On est littéralement sur de la redite de la partie du début de, des missions en Afrique. Genre c'est littéralement exactement le même, les mêmes mots qui ont été employés tout à l'heure. Genre mot pour mot. Ouais, pourquoi ils utilisent la même cinématique? C'est nul ça, si je peux me permettre comme concept. Ok, je suis peut-être fou. Bon, dommage. Oh mais non, mais pourquoi j'ai une mise à jour là? S'il vous plaît, je voulais juste arrêter maintenant et aller avec Pota là. Pourquoi est-ce que j'ai des grosses cinématiques? Oh là là. Non mais sérieux là? Pourquoi ils font ça? Bah attention. Mais c'est horrible. Mais... Non mais Ocelot, vas-y, des fois il est exceptionnel mais... Putain mais la torture et Ocelot ça fait un genre, c'est abusé. Anything? Still living up to her name. Mais après elle parle pas, comment elle peut infecter des gens? How about you drop the act? Ouais, j'avoue que le 5 il est particulier, genre tu regardes le 5 et tu regardes celui du 3, ils sont tellement différents. Et déjà il fait plus ça. Put it back. All I want's a name. That won't trigger anything. Ça c'est pour ça qu'elle parlerait pas, parce qu'elle est, elle a, elle a justement une des bases du truc, donc si elle parle, elle infecte tout le monde. Wow. Ah bah ouais. Have been barbecued. There's traces of rubbing alcohol in your alveoli. This was found adhered to your lungs, intact. A petal. White Star of Bethlehem. The hospital. Skullface sent you to Cyprus to kill Snake. You were burned inside and out. That should have been the end of it. But, all things considered, you look pretty damn healthy to me. We have Skullface to thank for that, right? I was the only one capable of applying them to parasite therapy. Until he stole them from me. Why are you here? Did Skullface send you? Or did you have your own score to settle with the boss? Big boss. Oh non. Ah mais c'est super méchant. Salt water. No! She'll die. Yours to take. Enough. That's enough. If she wanted to kill the boss, he'd already be dead.
Same goes for us. She's had plenty of chances. She can't talk. She's not here to kill anyone. We're wasting your time. It doesn't matter why she's here. She works for you now. Je comprends toujours pas pourquoi elle est... J'arrive pas à saisir pourquoi la scène existe, parce que ça paraît, tout paraît évident en fait, de ce qui se passe là. En un sens. What if she's a spy? What if I'm a spy? You? Ooh. Go on all day. Ouais, c'est pour en arriver là. Je comprends. Boss, let her go. Hey, y avait pas ça autant dans les autres, hein, Redoff. Hey, il est beaucoup moins charismatique. Je le trouve beaucoup moins fascinant dans celui-ci, moi, Ocelot. Je l'adore, hein. Mais Nab, get in Tish. Nish now get in Tish. Idiki plak anat e. Oh. Ako kode jisdesni. Dne zad. Belagana gesnita. Logique. Katobe yas. Doton nista. Ouais. Bon, ça retourne dans les trucs que j'aime bien, moi, de... C'est une sacrée découverte, mais... On s'y attendait, donc c'est trop cool. Bref, Apex Legends time. J'aime bien. Cool. Mais après ça, c'est vrai qu'on s'en doutait depuis un petit moment, j'ai l'impression, hein. Non ? Très cool. Alors, ok. Hello. Hello. Ah, il est bon. Ah, il est bon. Je parle à qui là ? Le monstre. Le monstre. Hello. Hello. Ça va, pota ? Ça va, pota ? Tu veux jouer ? Tu veux jouer ? Il est parti. Il est parti. Ça suffit comme ça. It suffice. C'est de l'anglais. Ah, Rock. À cause de toi, je vais partir 10 minutes parce que je me suis fait chauffer des tartines en attendant.
peux comprendre. Ah mais j'ai lancé une petite mission, mais ça a déroulé en plusieurs. Monsieur se daigne à venir. Lethal Company. Eh oui, j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit à tout le monde, Lethal Company ce soir, soyez là présent. Privilégiez mon live, pourquoi? Parce que il y aura guest, il y aura DJ Snake qui viendra sur mon live et devant ma cam. Attends, sérieux? Oui, il me fera écouter les sons avec PNL. Génial.